Après meeting, ils ont prévu le 17 juin à la place de Sainte-Thérèse Nanjili. L'opposition a annoncé les sous-marches Moko Oeko Salema Bongo le 21 juin, il y a même mois au cours de l'année. L'opposition congolaise a multiplié la manifestation à quelques mois des élections pour Nanini, pour quelle fin, alors que l'action est vraiment très critiquée. Nangambo, il y a Patrick Mouye, il y a Talisaki qui est opposition. Azali na politique ya koyoka ko se victimisé. Peter Kazadi, ministre intérieur, y a Talisaki qui opposition azoluka nenge nini ko bebisa image ya Kinshasa ya régime Félix Tshisekedi pour que ba pesa bango ba sanction, mais finalement opposition azali o kozela nini de la part ya pouvoir en place. Est-ce que bazali kozela élection et ko sem malamu to pe ndenge pouvoir ezali ko ba bango balingi glissement to pe balingi bongo dialogue pour na ko partager gâteau trop le bien au courrier mission à bichet à mon connard l'eau banamboka mbote paye boye bola mouna manaka na bino ya pona komu bozola na biso partout dans le monde bozali na kati ya Kinshasa na ba province topé libanda ya Congo à travers Congo Buzz Télévision sur notre chaîne TNT autozongi déjà sur notre page Facebook copé bandeko ya YouTube bonjour à biso juste après mais na dinga mingi ba commentaire na bino mais beaucoup qui déjà ko répondre à biso na ba numéro est justement affiché ko pesa bino o makanisi po na bomisa no emission o to sala ka yango e longo na bino po na Congo manaka na bino e bandi e bisa bande ko bazali banda to pusa na poto yo kama e matali bongo République démocratique du Congo mboka na yo mboka na nga tozo pusa na ka pene ya mapono minani nda sengeli po na kukamba mboka eza venir mboka po na 5 ans les sous ceux qui ont eu âge na yo baki si 5 ans yeba ke ezali tango ezali ko alors ils allaient tester un beau cannabis, il faut vraiment toujours en go na sérieux nyoso coopération RDC Belgique. Félix Tshisekedi sollicite des sanctions économiques contre les agresseurs du Congo et je l'ai dit au départ. Après meeting naï le 17 juin à la place Sainte-Thérèse, l'opposition programme également une marche ce 21 juin. La dynamique de mouvement citoyen exige la suspension de l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges afin de construire au préalable le consensus autour du fichier électoral. Tobo Sanate, Assemblée nationale, Nakolongolaka. Ba député au Baklaka qui porte récemment Bango Bajisa qui recevable projet de loi sur la répartition des sièges aux Ezali déjà envoyé na commission PAJ P examen ango kosal mabongo mokolo ya lundi 5 juin prochain élection 2023 Katumbi Fayulu Matata et Sisanga Reni n'ont pas la même idéologie ni même objectif. Leur souci c'est de faire croire au monde que l'opposition est misée. Les actions de l'opposition très critiquées. Ali Bongo, Maloba Bongo, il y a honorable Eliezer Tambo OEP à Montaki au créneau pour n'a qu'au dénoncer maé opposition selon yé azali ko sala pour n'a qu'au luka ko zoa bongo attention ya communauté internationale et basali bango ko akise bango na makambe belé belé to rozongi lango vraiment au cours ya émission ya biso ya moko na lelo ba chauffeur ya ville province à Kinshasa ba annoncer grève mokolo ya lundi 5 juin bango ba talisi ke tracasserie et l'équipe. Et c'est ce que ceux qui ba chauffeur ba boy ko tambola Kinshasa to ebinde makambo tambola ka bango ba lobi que moto azo kanga bango azo e banate ba PCR ba Odiana donc désordre ba la police komi donc mbutu mbutu makasi ba lobi que lundi ba ko sala bongo grave mais si ko nan autorité urbaine a ebi bongo ko se prononcer te sur cette question to ebi comment ezalaka ceux qui ba chauffeur ba boy bongo ko salamo sala ndenge tambolaka na ville province ya Kinshasa to senga déjà base wango au sérieux ba kondi ya ville pour nakuluka ko réguler circulation ba annoncer biso attaque na butu ya lolo ya fondation musée Laurent Désiré Kabila na ba emoko bato bazali notre
autrement identifié, bureau, il y a présidente, il y a fondation, député Jeannette Kabila, vandalisé, policier, bazalaki maîtrisé, ligoté, et selon avocat, il y a fondation, komaki sur place, comme ça, la constante, on attend, il y a le lotokozong, il y a avec beaucoup de détails, namikolezali koya, et j'ai dit, oh, elle qui, c'est-à-dire hier, siège ensemble pour la République, na Lubumbashi, zalaki attaqué, na ba policier, na vidéo, moko, tozali komona, ba policier, ko bambaka, ma banga na kati ya siège, et bande de consens pour la République, ba dénoncé, alors que ba sangana ki pona ko, senga libération, il y a Ndeko Salomo, oh, azali, bongo, kino tang, oh, tozali koloba, na maboko, ya ba service, ya sécurité. Tolobela Congo, spécialement les lots, tous en amont en Boka, Prince Epengue, président, il y a ADD Congo, moko ya ba opposant, il y a Mboka na biso ya kenan tsango pe communicateur, il y a coalition la Mouka, qui déjà ko rejoindre à biso sur ces plateaux, na ye, toko répondre à ba question, oyo, mituna, oyo, ba kondi ya Mboka, bazali ko mituna pe population, mon Mboka qui déjà, pona ici ka olingi ko vanda, Mbote pe boye bolamu, na manaka ya pona Congo ya lelo. Merci beaucoup. Je vous ai dit que bien. Kiti yango wana mona mboka. Otsenga kiti mboka. Merci madame. Merci madame Naomi Mbote na baebans ba kolanda. Biso na kanse to nettoyer ki micro nao déjà. Oui, mi presa madame Oming. Merci en tout cas Nzambe. Apesi Nzambe le kumulo lengo. Apesi biso pe mape apesi biso occasion ko kabula makanisi na bande ko bans. Merci na yo pour l'invitation na yo, merci na ba technicien na bino, souvent on les oublie mais sans bango to comment on a banda côté, et merci na fondateur ya chaîne oyo qui sabo sembe malgré ya ponins et là ya lifelo ici ka yali. Très bien, merci beaucoup. Tous aïe na maître Eli Beni Kamalinga, zaï président, il y a parti politique Action pour un Congo uni. Mon amboka, on découvre, il y a Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir, merci pour l'invitation à Journal Hello. Profitez de l'occasion pour nous présenter notre technicien de notre chaîne. Je salue le commentaire de la chaîne Roka Sazouami. Ainsi que tous les Congolais, au Bazali Bakou, et en Andabiso, dans le débat où je crois aux Alas républicains. Très bien. Merci beaucoup, mon amboka, maître Eli Beni. To zongela, maï otokolobela lelo, ba manifestation et opposition. Encore au-delà y a meeting pour ça le 17 tout ça les tous mon collègue le 21 mars mon sous c'est pour ça les mêmes opportunités il y a bah manifestation en amiens à quelques mois des élections les alliés pénza pénza ni les mon amboka principing. Merci maman soko otangi mobe koli konzi to constitution abiso un article 26 et le bête est ce qui congolais alingi abimananzela pour na kolaksa esengo na ina likambo salami to pour na kolaksa kanda na ina likambo salami abimananzela yambo abimananzela akoma mukanda na mota ko kamba isika ya zali soko ya na territoire na ville na commune na chefferie na quartier to na province au komeli mukonze isika yo vandi et puis mukonzi wana akotindolo ba policier pour na kankadre yo constitution l'obité était et sengeli oyebisa bato pona litomba nini to o se justifier si c'est le comme ko sala o lobi nini o liko bimananzela te l'obité informé était ko bimananzela pona le kambo boy boy alors pona le kambo opportunité na otiko lo banao constitution l'obité qu'il faut le ba opportunité kambo ko sala toko tambo landego moni tout d'abord tu as un meeting le 17 juin na terrain 4 terrain à football wana ya Njili après meeting ya Sainte Thérèse toko yako zala na marche ya kafu kafu wana ya décision to zaki lumukolo malobi président élu Martin Fayulu depuis États-Unis d'Amérique sikayali. Peut-être qu'on a, je crois, lundi ou mardi, le président Moïse Katumbi, ou à Zali Sika en Lubumbashi, mais on a accès à ça. Et Matata Sesanga,
d'ailleurs na moment où na kolobana yo lokola président ya commission ngai na ali président ya commission communication ya maima soma ko salama na moment où bango banso bazali na ambassade ya ba délégué na biso donc bazali lokola ba président li Martin Fallon États-Unis donc moi c'est tombé na Lubumbashi matata pe ali ate donc délégation les secrétaires généraux avec représenté bango accompagné na Delice Sanga bazana réunion monene na ambassade d'Allemagne na 11h. Donc Tolobi, nous sommes à 6 mois des élections. Nous nous préparons pour les élections depuis longtemps. C'est tout biso à ce qui nous concerne la Mouka na coordonnateur na biso professeur Kalele. Nous préparons depuis longtemps pour les élections. C'est même ça la question, parce que vous réclamez nini à quelques mois des élections. 4 leaders, au bas, on y a un candidat, on a une vision, on a se préparer, on a pour affronter l'élection. Vous avez tout le temps une manifestation à quelques mois des élections. Mais finalement, vous président lobby qui vous avez le bon locataire. Mais c'est le monde, il y a un salaire, il y a un salaire, il y a un salaire. Et puis, il y a un salaire, il y a transparence à l'élection. Donc, on a eu une décision après le meeting à Sainte-Thérèse le 17 juin. Tout ça, la marche à Kafoukaf. Et prenez la date. Cette marche va rester dans les annales de l'histoire politique du Congo. Le 21 juin, tout ça, à partir de Kaché 3, na Massina. Massine est une zone neutre, c'est le gouverneur à l'Oba, vous y allez. Pourquoi vous avez dit apparemment, vous avez dit que vous avez victimisé, vous avez parti à l'Oba. Maman, tant que la constitution est en Boka, vous allez, moi, je suis allé à Ebio. Un gouverneur n'a pas le pouvoir de déclarer une partie du territoire congolais une zone neutre. Ngobila n'a pas le pouvoir. Normalement, il y a un gars qui fait tout quitter à Boto, qui est en train de faire tout ticket devant la justice. Oui? Constitution peut permettre cette possibilité à n'importe qui de courir babo bokangiye, boki koti kaye na maboka Jésus. Ngobila muto ngana yo to kangama to kangi ngobila noter David to koti kaye et pas procurer pas sambisaye. Ngobila violé constitution. N'a pas le droit de déclarer une partie du territoire national zone rouge ou zone neutre. Encore que to mona kia non, garçon waza masuki bene na mutu boye. Comment on l'appelle? Il y a ceux qui viennent à Nojek et ceux à Nojek. Alors, tu sais, la marche à la boulevard du 30 juin. Alors, même pas 3 jours, hein, non? 3 jours. Il y a Nojek. Alors, tu sais, la marche, mon ami, tu sais, c'est bon. Mais qui sait qui va comment il bosse? Bisso, tu es dans la cité, il y a une décharge électrique. Il y a une décharge électrique. Je crois que na sommes dans un monde où on a Bisso Merlin, vous voyez Bika. Pour la police, tu es bien, 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 tu es bien. Batu ba bela ba AVC ndo kwa kangama ki ya siko na hôpital ya Tel Aviv la mort ndo kumele mvuvu moka ba combattant ya résistance donc tchango za zone neutre te de toute façon a décrété tchango zone neutre depuis presque 2 ans Vital Kamerhe le tanga bimina boloka ki ko sa tourner na Kivu aye pa Njili aéroport Njili ba yambi Vital Kamerhe na batebele donc wane za ki zone neutre te. Mais c'est Félix Tshilombo qui a pris photo de Joe Biden. Il dépêche la Bimi dans la Bible, il a pris photo de Joe Biden, il a pris photo de Joe Biden, il a pris photo de Joe Biden. Il a pris photo de Joe Biden. Artiste Fali Poupa, il a fait Gola, je crois, il a pris photo dernièrement. Député provincial de Tshibalabala, il a dépêché. Presque chaque 2 mois, il a pris la marche dans Tshango. Il a pris photo de Joe Biden. Ce qui a fait, il a pris photo de l'activité dans Tshango, il a pris photo de Joe. Ngobila yemoko awa le 20 mai autour de ça grand meeting na stade municipal à Massina na ba activité msuzwa ba bimiku na stade ba sepe mini marche wana esa zone neutre. Non, ça c'est une raison politique. Donc nous allons marcher le 21 na ngina yebisa bana nyoso ala muka bonga ma parlement de butu ala muka bana nyoso ba parti politique banso to wana bango sika wana ensemble to zasiko pona ko arrêter fraude. Nous marchons, comme vous avez demandé, pour empêcher la fraude électorale, pour exiger un consensus rapide au niveau il y a fichier électoral. Kadima a enrôlé les gens.
Kadima nous a dit qu'il a reçu, je pense, 46 ou 48 millions. Kadima nous a dit que Yemoko a sali audit et affiché Yemoko. Ariko Benga, copine, n'a rien à faire ici d'ailleurs. Awa, basal audit. Un ancien, il y a Eissa. Moi, je connais Eissa très bien parce que j'étais invité plusieurs fois. À l'époque, Kadima, Kadima était à Eissa. Et Kadima prend la proposition de loi sur les partis de siège. A même en Okuna, la majorité na Bango. Bah ça, tout s'est fait dans une opacité absolue. Je vous rappelle, maman, que sur Otangi, constitution Abisso, la constitution dit que la CENI est une institution d'appui à la démocratie. La CENI n'a pas une volonté propre. La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. La CENI organise les élections pour le peuple. Le rôle de la CENI est de faciliter le peuple congolais na pour opérer choix, il y a un animateur, il y a une institution. Donc dans ce sens-là, la CENI accompagne le peuple. Voyez-vous, pour opérer choix, il y a un animateur. La CENI ne peut pas décider toute seule de tout. Kadima se prend pour le dieu des élections. Alors que nous, les compétiteurs que nous sommes, parce que c'est une compétition électorale, nous sommes des partenaires de la CENI. Voilà pourquoi et la CENI doit faire tout ensemble avec les politiciens. On dit oui, c'est écrit où? Mais où est-ce que c'est écrit que la CENI organise les élections pour elle-même? Pourquoi la CENI cache tout ce qu'elle est en train de faire? Bissona, institution Tobengi, coordination des opérations électorales de la Mouka Koel en sigle, vous êtes dirigé par le président Jean-Philippe Senga. Quand il y a la Mouka, nous avons fait 4 points de presse. On a posé une simple question à Kadima. Vous avez acheté des machines au pays Amirou System. Pouvez-vous nous dire combien de machines d'enrôlement avez-vous acheté? Kadima nous répond bêtement qu'à éviter. C'est lui qui a acheté les machines pour enrôler les Congolais. Mais Kadima dit qu'il ne sait pas combien de machines il a enrôlé. Voilà pourquoi vous avez vu. Awa, accidentement que Salami à 15 km à Chikapa. Bamoni ba machine na kati ya mutuka bamoni ba kadi électeur awa na masima na masima ni baba moni mutu mona speed 600 kadi électeur na openga baba kangamu na ba kasa kadi électeur ba mon na katanga batu na ba machine na enrôler na mbujimai na kana na kuna bamoni batu bazaka enrôler batu na kati ba salon na ye abengi ba batu aka enrôler batu na salon comment machine o ya seni il faut zala na kati ya bureau d'enrôlement ou de centre d'enrôlement pour enrôler Batou officiellement, et comme il y a un salon, les images, on les a vues partout. Kadima n'a pas nié. Kadima a dit oui, on a vu des machines entre les mains des gens, on a vu des cadres électeurs entre les mains des gens, on a vu, on a découvert des machines dans des véhicules privés. Mais il dit ceci, la justice va s'en occuper. Non, monsieur, avant que la justice s'en occupe, toi, tu dois nous fournir des explications. C'est toi qui as acheté les machines. Tu es censé contrôler les agents parce que. Kadima a recruté du sommet jusqu'à la base. Tu dois nous dire à qui tu as donné les machines et qui a donné ces machines-là entre les mains des gens. Kadima reconnaît qu'il a enrôlé les enfants. Mais il nous dit que non, tu as enrôlé Kibana. Oui, c'est vrai. On a violé la loi. Oui, c'est vrai. Mais faites-moi confiance. Je vais écarter Banoana. Kadima n'est pas Dieu pour qu'on lui fasse confiance. Quelqu'un qui a enrôlé les enfants volontairement, nous allons lui faire confiance. Comment? C'est pourquoi nous disons qu'il faut un consensus. Expert, il y a opposition, il y a Vanda. Expert, il y a majorité, soi-disant, il y a Vanda. Expert, il y a société civile, il y a Vanda. Tout le cas, expert, au bas, il y a neutre. Maison, ils ont reconnu. En 3 semaines, tout fongo la fichier électorale, ouana, tout à l'heure, qui a été enrôlé, ou dans quelles conditions, combien sont-ils, combien d'enrôlés, combien de doublons, combien de mineurs. Étant entre Longo la Bango, on dit que le fichier est bon, fermons. Allons aux élections. Merci beaucoup. Malheureusement, M. Tshilombo a peur de cela parce que sans tricherie, Félix Tshisekedi ne peut pas obtenir 5% de vote. Merci beaucoup, M. Prince Epeng. Il faut rappeler que Seigneur Outaki au fond de la porte, il y a une porte ouverte pour nous parti politique, mais opposition apparemment, il y a qui dissoutenir le message. Ndeko, Eli Beni, to Zongelayo, du Cambo, il y a un processus électoral. Opposition est confrontée, Nandine Tozo Kende. Confiance, Penda est exacte. Tozo Kende, Balobi Kao et Kozala, Tozo Kende, Bozo préparé, Nandine Nako Yiba, Bongo. Ba élection en 2023, mais est-ce que c'était pas le moment il y a côté les macos yo capé bandeko pour tout qu'il y a biso nyo solo lengi moko
il faut relobaquer. Alors que bah député opposition bah bimi bah claquer porte même ça les autres bah projet de loi sur répartition des sièges ils allons juger recevable bah qu'on examine la bango donc toujours kende alors que bah ndeko bazolo baké confiance les athées totalement pourquoi sourd'oreille au binomo zali ko ça madame merci pona mutuna wana vous savez on est en face d'une opposition un inexistante deux de mauvaise foi trois au bazar au Luka, ba incident pour ba justifier report tôt la non tenue des élections na année 2023. Tout ce que Ndekonanga et Pengazo racontait, c'est sa vie. Parce que il faut reconnaître que Yomoro Lobi Ango, Seni, a fongoli ba porte pour ba acteur majeur, au bazar ba partenaire naïe. Nous sommes pour les différentes questions au moment où on va poser, on va retrouver la réponse dans le cas. Ça, c'est un. De deux, on vous dit que CENI a organisé fraude électorale, organisée par M. Chilombo, mais on ne peut pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué, madame. Il y a un lobby qui a organisé tricherie, mais Bango place Bazalia. La dernière fois, ils ont fait une sit-in au Bazalaki, moins de 100 personnes, dont 70 journalistes, et bango 30. Babenga ki bango baya. Bake notika ba revendication na bango, ba s'entretenir na ba autorité à CENI, pour batala. Est-ce que ba revendication na bango zali fondée toté? Je crois que Mokili Mbelanda ki ba lobi, togoyate, mais mo ezate. Madame, na sepele le boyo kan de ko epenge ko lobake. Bazo se préparer depuis longtemps pour les élections. Mais lorsqu'on se prépare depuis longtemps pour les élections, on ne peut pas dire que biso toye revendication boye boye oh, et surtout des choses qui ne sont pas fondées. Il faut retenir deuxième chose importante. Qu'est-ce qui n'est pas fondé? Bah revendication de moment est fondée. Pourquoi? Parce que un, Epengé, Fayoulou, comme tous les autres, ils sont tous les jours dans les médias. Ils vous ont dit, ils ont dit à la Commission internationale, que pas un jour au 20 décembre 2023, et que le Kata un jour T. Bah, vous permettez d'atteindre un jour T. Vous les avez suivis, Balobi, que non, enrôlement, et tout ça, exacté, fichier électoral, calendrier électoral, exacté, mais. Seigneur a publié calendrier électoral. Seigneur a confirmé qu'il y aura des élections. Le gouvernement continue à donner les moyens. Non, élection, on est aux alatés. Mais les lois ont enrôlé Salemi. N'est-ce pas? N'a pas condition, Nini. Madame, ça, ce n'est pas une question que vous pouvez poser. Toute situation dans le monde entier, ils ont toujours maillé, n'a pas irrégularité, aux causes alatés, n'a pas imperfection. 2 millions de doublons. Madame, lorsque. 1 million de mineurs enrôlés. Attention avec la manipulation, la pensée. Voilà les résultats audits. Non, non, mais justement, c'est ce que je vais vous dire. Lorsque vous constatez. Imperfection, on a doublons, les mineurs enrôlés. Lorsqu'on parle de l'audit du fichier électoral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cas, il y a imperfection, tout cas, il y a irrégularité, doit être audité et enlevé du fichier électoral pour être à la nettoyer à la sain. C'est ça l'essence, il y a nettoyage du fichier électoral. Ce n'est pas un terme qui appartient à la RDC. Ça s'est fait partout ailleurs dans le monde. En France, aux États-Unis, comme en Afrique, en Amérique, en Asie, partout ça s'est fait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que, et l'autre, quand on a mis son opposition, il m'a dit que sa peuple est congolais. Et ça, que, il y a des choses qui sont spéciales pour la RDC. Alors que l'audit affiché électoral est prévu partout ailleurs. Alors, si tu as dit qu'il y a eu 2 millions de mineurs, comme vous avez dit, ou des doublons, c'est après avoir fait le constat. Est-ce que il y a un autre? Le problème ici, c'est quoi? Nos amis jouent à la diversion. Bon, on va jouer rôle, il y a diversion avec le Rwanda. Tout le monde va vendre Rwanda. Il y a la guerre à l'Est. Nos frères et sœurs sont tués chaque jour ici. Mais tout le monde joue ni le matin, mais pour pas condamner Kagame, tout le monde pour pas condamner Rwanda face à la situation de la guerre à l'Est.
Mais ils viennent vous dire, non, 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 rien ne va. Oh, d'ailleurs, cette CENI-là ne fait pas confiance, alors qu'ils ont des représentants dedans. Et plein de places avant, on a dit qu'il y a représentant dans la CENI. Kabila, Azana va représenter la Kataseni. Vous avez parlé ici, Ndeko, le député va claquer porte. Mais il faut savoir que Ndeko, avant Aloba, tu comprends, toujours Bézani. Lorsque Seni a Ketika avant-projet, ça s'appelle avant-projet, parce que tu as un gouvernement. C'est au gouvernement de donner ça au Parlement. Mais est-ce que Eriazo a mis Biloko, a bien en loi? Ce n'était pas loi, ce n'était pas encore une loi. On appelle ça avant-projet. Et puis, Fayeba, au cas où ils sont montés sur le créneau, même ils peignent dans l'Andé, dans Top Congo, partout ailleurs, non, et au Kassai, il y a plus de gens, et il y a des tricages. On ne peut pas construire un pays avec des mensonges, avec la manipulation. La loi sur la réparation des sièges, et ça, en fonction, il y a un nombre d'enrôlés, province par province, ville par ville, territoire par territoire. C'est comme ça que mais ce que vous les lois, on a tout projet de loi avant projet et déposant qui les Kassai n'a pas plus que l'Est, n'a pas plus que Kinshasa ou partout ailleurs. Mais ils ont dit que Kassai n'a pas de collègue. Tout ça, c'est la manipulation. Et on ne peut pas construire un pays avec les tribalismes. Mais ma dénonciation, la bango est à l'opposition. Il faut dire que Senkope et Azar, qu'on dénonce, il y a un besoin que nous malades. Mais apparemment, Union Sacrée, comme il y a avocat à Séni, il y a un besoin que nous faisons bien. Lorsque elle parle, il limite à la baronne à Sénité. Tu comprends, madame? Avant, il y a tout le monde, il faut comprendre. Parce que vous avez Senko. Senko, rôle ni nous avons joué. Senko, on a dit que Senko a quatisé tribalisme. Senko, Azali, Azali, on a pour la normalité. Vous connaissez les rôles que joue Cholet, vous connaissez les rôles que joue Ambongo. Alors ça, on ne peut pas applaudir. Un pays, Balobara, une nation, c'est vouloir vivre ensemble qui constitue une nation. R5O, Ambongo, elle est qui na place Oyo et Sengen Kosa la politique était. Na tribune, il y a église pour la Kosenga, elle va soutenir Katumbi, pour la Kosenga, basta la boue et tout ça. Et ils sont pratiquement en train de jouer les jeux de l'opposition. Très bien. Alors, c'est pour vous dire, madame, que vous ne pouvez pas donner l'exemple à Senko qui est en train de jouer un très mauvais jeu parce que les lobbies sont battus dans l'église. Bah, chrétien catholique Bazali, bah, protestant Bazali, musulman Bazali, banane Bazali. Mais il n'y a jamais utilisé la tribune pour avoir ça la politique, alors que l'Ilobanza Mende Misso, on va peut se voir avoir la même église catholique qui a accompagné l'Idopès hier, la même église catholique. Madame, ne confondez pas les choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre discours-là. Quiconque tient ce discours-là, moi, je peux parler. Et les antivaleurs, madame, moi, tant que je serai, et mon parti, tant que je vivrai, on combattra les antivaleurs. Très bien. Merci. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas encourager les antivaleurs parce que vous avez un antivaleur. Si la même église a accompagné Félix, il y avait Tshisekedi, comme vous dites. Mais les temps, les circonstances et les discours tenus par l'autre n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on va y avoir l'unité. Merci beaucoup, Les marches sont organisées par la loi numéro 196 portant réglementation des manifestations publiques et publiques et réunions publiques. À son article 7, ils vont faire une déclaration préalable auprès de l'autorité. L'autorité les invite, ils ont été voir l'autorité parce qu'ils savent que Ngobila n'a pas le pouvoir. Mais est-ce qu'il y a une existence de la loi ou qu'on réglementer la manifestation publique, la réunion publique? Très bien. Parce que l'article 7, dans le lobby, les organisateurs ou leurs mandataires plutôt, basa la déclaration au Talissa, jour, na lié au manifestement, ma grosse alema, n'a pas itinéraire où ils allaient fixer. Mais, à l'aide de l'article 7 de lobby, l'autorité urbaine, l'administrateur du territoire, pour ceux qui sont en province, même les bourgmestres, certains milieux réquilés, il a le droit de modifier. Vous comprenez? Il peut modifier
l'itinéraire ou les itinéraires. Très bien. Mais pour la banque, on va dire non. Et ça, la loi, on va dire que c'est comme on va dire. Lorsque l'opposition décide de marcher, il faut aller barak, 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 ils ne sont pas au-dessus de la loi. Merci beaucoup, madame Boka Tozo Zongela, on découvrant ces pingues, Boubandi, ba manifestation, ou Tabokena, qui n'a pas de Bumbashi, Bozong, Bolaki, ba manifestation, quatre leaders et opposition, ba Sangani, pour nous faire pression, tous en Makulomi, à Malam. Est-ce qu'il faut faire évaluation, ba manifestation, sur Bossali, Bossali marche, Bobo itinéraire, Bokei, et trouve. Le bavure salemi bosali sitting boyeli bino moi accrochage entre bino na la police bozo préparer du sous marche mususu s'il faut faire évaluation na nyonso bosali ezali benzani et ce qui ba revendication na bino kino le 20 décembre ezali prise en compte qu'est-ce qui va se passer opposition rondima okina ba élection ka ndema mezo kinele. Merci beaucoup. Ba manifestation politique populaire auto sali nyonso les alliés bah réussite, les bah réussite totale parce que adhésion populaire est alliée. Oui, mais depuis 2019, oyo mokonzi amboka ya solo, Martin Fayulu a bandi ko résister awa. Même étant que mes études ont basé l'union sacrée, bandi ko katumbi bakayi l'union sacrée, ben bakayi l'union sacrée, do tikali biso moko. Tout ça ko bunena Martin Fayulu peu plaza toujours la sima Fayulu toujours la sima la muka. C'est pourquoi partout je passe bakino ba le badangai bravo na Martin Fayulu parce que le lot résistance est ali ce qui le lot position est ali grâce à Martin Fayulu a boyaki ko accompagner Félix Tshilombo ce qui a kenda kakuna de mboka le lot est ali vendu na lingi na lo ba été depuis que tout ça là qui tout ça qui décision. Parce que tout ça concerne le lieu, il y a une plateforme. Tout ça, dans le commerce, Katumbi, dans le matat, il y a une plateforme politique. Et ça, il y a un peu de temps pour le BT, Bisso, la Mouka, Bandekoya ensemble, Bandekoya LGDP, Omsusu, tout Sangana pour nous mener à l'action. Kaka ba action. L'ingénie, tout ça, peuple, cadre, Moko, Obélection, qui est le Canadien, ya Malam. Nous sommes convaincus. Et ça, tout le monde le sait. Non seulement que Félix Tshilombo a trahi le peuple congolais, a joué 15%, et il y a eu comme un 15% wana, grâce à Kabila, il y a mis balé, il y a eu un peu à ça, dans le côté, au bébé voyage, dans le voyage, a échoué sur tous les plans. Le long de la vie, il a abandonné entre ma boucle, ba Ouganda, ba Burundi, de ba dirigeant de cannabis, économie, finance, franga, l'état, ba ibango, mi kolonyoso. Insécurité bisikanyoso bandu ndwa waboye kwa mutu bisikanyoso batwa kufa na Ituri tolobete a échoué sur tous les plans donc ce qui est l'élection est transparente ce qui moyibe réalité Félix Tshisekedi a ko gagner jamais ba élection d'ailleurs ndeko alobaki que faut élection mogote zaka parfaite non tolobete que tous élection mo parfaite même en États-Unis élection parfaite réalité ça c'est vrai. Mais ici, même ceux qui tricheraient Ali, tricheraient faisait une dimension minimisable, négligeable. Pourquoi tu as 5% à tricherie, 5% à des ordres des alliés, peut-être à compétence et à argent et tout ça. Mais tu n'as jamais condamné un scénario à 2018 où il a fallu l'abîmer au conseil à plus de 60% des fois. Kabila yeko le babi bongai Kabila ndenzambe ya Congo na imposer le binobo. Est-ce que bi ke monde entier le ba ko respecter bi sosuli kwelo kwana? Babi peuple congolais c'est quel peuple? O yo un individu pele imposer un président. Et nous tous na ba veste na bisa ki toko na ba kavane na bisa ki toko ba ko mona bisa ko ba meme parce qu'on a accepté l'inacceptable. Donc légalement azala atanga maki na cour constitutionnelle yango de légalité. Mais ba juge wana Kabila azoi ba ko ba meme. Kende ko tala opinion libre. Na moko ya juge ya cour constitutionnelle. Ces messieurs-là, un jour, il faut le décorer. Kone Wasenda. Le seul juge ya cour constitutionnelle parmi les neuf Bazaka en 2018. Ou alors, qui non à Kabila. Kone Wasenda. Et na moko ya abiso, batandengu wana toko néglige bango, mais Kone Wasenda moutou, il faut pas ne pas prendre na ba faculté de droit nyoso. Un des juges de la cour qui a dit à ses amis juges que les résultats tels que publiés par Kone Nanga viole la constitution, viole la loi électorale. Il faut toi annuler le résultat à Nanga OEPC Félix Tshisekedi vainqueur. Félix n'est pas le vainqueur des élections. Opinion libre qui a été rendue le même jour que l'arrêt de la cour confirmant Félix Tshisekedi comme président. Mais le président a
premier président ya cour constitutionnelle ou ya kendo kufa na Belgique dernièrement awa Luamba je crois. Le messier, comme il a vu tellement peur de Kabila, le messier a accepté l'inacceptable. Mais juge, je connais Wassen a dit non, les résultats ici qui sont publiés par Kadima, qui plutôt que par Nanga, ne reflètent pas la volonté. Il a dit à tous les autres juges, refusons ces résultats. Mais Kabila avait menacé tout le monde. Kabila avait menacé tout le monde, comme on connaît Nanga l'a dit dernièrement, que les résultats ont publié, qu'ils ont les résultats, qu'il y a un arrangement politique pour éviter qu'il ait Tanga. Donc pour vous, vous gardez l'option que Moïse, Matata, comment il s'appelle, Martin Fayoul a gagné l'élection en 2018. Est-ce que les lobos sont préparés pour l'élection Sinon, tu vas dire qu'on s'est préparé depuis 2019, madame. Depuis 2019, nous avons préparé. Mais il y a encore voté qui Fayoul. Même Christian Bossembe a voté Fayoulou. Comment ça on a voté? Oui, vous avez quitté. Oh. Comment vous pouvez vous attribuer? Mais ça, c'est le papa. Ce sont les jeunes Congolais qui disaient ici, tout sauf Kabila. Et le quoi, tu es bien, tu es félicité, tu sais que tu es bien, tu es Kabila, tu es Kala. Nous savions ça. Pourquoi tu es bien, tu es bien, tu es bien, à Genève? Parce qu'on a découvert que Félicité, tu sais que tu es bien, tu es bien, tu es bien, Ibiza. Nana bien, tu es bien, na Ibiza, na Félicité, tu sais que tu Papa, tu sais que dans un bête hôpital en Belgique, Félix, tu sais que dans un Ibizana, Némi Mouilanya. Pourquoi comme premier ministre à Kabila? Bako à Venise, en 2015. Entre IDPS, Mavungu, Félix, tu sais que dit, na Kabila. Quand on a découvert que Félix, tu sais que dit, Azano dit, na Kabila, si ma papa n'aille, il y a un autre baki. Non, mouta cause à l'idée, parce que ça le coup là, Ngando, à Kimimvula, à Yogobata en Ebali. Togo Kima Kabila. Mais toi, tu as fait ce que tu dis, oh, Azali, masse à Kabila dans le coucou. Tu as fait ce que tu dis, on a deux faces. On a un long même, mais on a monté maintenant à un coin. Ah, gentil, mais tu m'as dit, tu m'as dit, pour dire que le peuple est, comme disait le Simon qui dit, le peuple gagne toujours. Et, pour recadrer, je vais recadrer, ça tombe bien. Je vais vous dire que compte à la chaîne. Je vais vous dire que visite guidée. Tant que vous avez une journée porte ouverte, moi j'étais dans la journée sur Radio Capi, dans la journée RFI. Vous avez 5 minutes pour poser la question. C'est ce que vous voyez. Dites-moi, en 5 minutes de votre présence à la CENI, qu'est-ce que vous pouvez bien poser comme question? Et qu'est-ce que vous pouvez bien faire comme enquête pour ne pas que fichiers soient corrompus ou pas? Parce que ce que j'ai vu comme visite guidée à la CENI, comme porte ouverte, on bâtit à la Kelele, dans la file indienne, on vous fait passer dans le bureau à la CENI, Kadima vous dit en distance, regardez là-bas. Vous voyez, là, c'est un agent de la CNI qui est en train d'écarter les enfants mineurs qu'on a enrôlés. Regardez cet ordinateur-là. Là, c'est le cas des doublons, les photos qui ne sont pas claires, les personnes qui se sont enrôlées, des fois, on les écarte là. Regardez la machine là. Là, on est en train de voir l'inadéquation qu'il y a entre les électeurs qu'on a enrôlés en 2018 et en 2022 ici, et tout ça. En 5 minutes. Vous, les journalistes, vous prenez des photos avec Kadima, vous sortez, vous nous dites que non, vous avez été fait quoi? Dites-moi, vous, là, le peuple nous regarde, vous étiez dans cette visite guidée à la CENI, on vous a accordé 3-5 minutes, qu'est-ce que vous avez retenu? Malheureusement, c'est moi qui pose des questions. Zéro. Et vous voulez que... Mais ne prenons pas les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. En 2018... Pour auditer fichier électoral, on avait pris, je dirais, presque 4 semaines et 4 jours. Pour auditer fichier électoral, en 2023, Kadima a pris 4 jours. C'est pourquoi je vous dis que ce qui Kadima n'a rien à se reprocher. Parce que moi, maman, dans la licencié en sciences politiques. On nous a toujours dit que le contentieux électoral est allé contentieux des vérités. Il y a un moment où on a voté, PV est en 3 exemplaires. Exemplaire Moko est en CENI. Exemplaire Moko va passer par candidat. Exemplaire Moussou va passer dans la cour constitutionnelle.
Pourquoi? Pour un cas de contestation, cour constitutionnelle a une copie naïe, candidat a copie naïe, sénat a copie naïe. Les cambodgiens à Kolobanine, ce n'est pas un lobby, ils ont une voix que les congistes à Kabouya. Donc, il faut que le lobby ait une voix que les Félix, tu sais ce qu'il dit? Bon, il n'y a pas de problème. Faïlou, il y a qu'un appelé Venao. Cour constitutionnelle, il y a qu'un appelé Venao. C'est n'y a qu'un appelé Venao. Mon cas où Faïlou, il appelé Venao, il a occupé. Parce qu'on a fait souvent pendant les élections. Et c'est ça où j'ai dit que la politique au Congo est devenue une haute sorcellerie. La politique au Congo est devenue une haute sorcellerie. C'est comme si il faut la médiocre pour comme un ministre. Parce que si on a un homme honnête, c'est difficile comme un ministre. Regardez très bien, parce que comme un ministre, 80% sont des médiocres. Ce sont des anciens voleurs, ce sont des bandits, ce sont des gens même qui ont eu à violer, ce sont des gens qui ont trahi leurs partenaires politiques plusieurs fois. Faites cette enquête-là. Moi, je suis en train de faire. J'ai écrit un ouvrage que j'ai qualifié, Depuis 6 ans que j'écris ce livre-là, je l'ai intitulé « La démocratie du paraître ». Vos propos, s'il vous plaît, madame. Vos propos vous engagent. Mais ce qu'il faut que vous la revendication de la Bunion, et que vous allez fonder, mais vous pensez que vous allez résoudre ce qu'il faut que vous même Abdel Fumouzout l'a dit, l'opposition n'est pas la rue. Et ça, quand vous avez dit, vous avez dit, vous avez des ordres, et puis vous gagnez quoi dans bon, tout ça. Je ne sais pas s'il comprend ce qu'il disait, mais je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Est-ce que vous proposez si c'est, lui, c'est un fiscaliste. Moi, je suis politologue. Les combats politiques en Afrique, en Europe, on appelle ça un combat politique. Mais en Afrique, on appelle ça la guerre politique. Vous savez qu'en Angleterre, au XVIIIe siècle, par exemple, quand il y avait élection, on donnait aussi à boire. Hein, quelqu'un, candidat venait comme ça, et avec une bouteille de bière, il dit « Votez, moi, on votait. » Mais depuis, la situation a changé. Ici, nous sommes dans un monde où l'opposant politique a besoin également de prouver qu'il a l'adhésion populaire. Et si tu n'as pas l'adhésion populaire, tu ne gagnes pas. Si tu n'as pas l'adhésion populaire, tu ne rééquilibres pas les forces. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas pour rien que quand, pendant la manifestation, voyez ce qu'il a dit. Il dit que quand vous avez organisé votre marche, votre site initial à Gombe, il n'y avait pas beaucoup de gens. Pourquoi il dit ça? Il dit ça pour montrer au monde que les opposants ou les résistants n'ont pas l'adhésion populaire. C'est-à-dire que le peuple ne les aime pas parce que le peuple n'est pas venu. Alors qu'il sait que c'est faux. Le peuple a yaki na siti na bisou, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont barré, ils ont encerclé la Gombe. Moi, mes deux membres, Ndeko Xavier Mavaka, mon président fédéral de la DD Congo Tchango, et notre Ndeko ici, un de mes chargés de sécurité, ont été arrêtés et tabassés là au niveau de Béatrice Hôtel. À partir de la Sac Congo, tu ne peux pas entrer à la Gombe. Au lieu que tu as commerce, tu ne peux pas entrer à la Gombe. Mais ce que vous vous posez, vous mobilisez. Pourquoi vous êtes à la Gombe? Vous avez vu que vous vous opposez, vous avez mis 10 personnes. Mais vous avez dit que vous avez mis des problèmes. Vous avez dit que vous avez mis des problèmes. En perte de vitesse, opposition à perte. Vous avez copié Papa Etienne alors que vous avez essoufflé. Vous avez copié Papa Etienne, c'est ce que vous avez dit parce que. Lélo, mon tomate a été mobilisé pour les capables de tenir ce qui est dans le monde de Martin Fayou. Dans votre website, depuis 2019, c'est quand il y a tout Fayou à Okende, il y a beaucoup plein à plein. Sans argent. Attention, il y en a qui mobilisent à mettre 1 million, 800 000 dollars, comme Union Sacré, en tout cas 15 millions, pour nous retourner sur le stade à stade de martyrs, 80 000 places assises. 80 000 places assises. Union Sacrilège, 425 partis politiques. Ce qu'on a 80 000 places assises, il y a stade de martyrs. On divisé par 425 partis politiques qui ont composé Union Sacrilège. Au commun, on a été par parti. Il s'est engagé à partir de même à peu près 195 personnes pour battre ce stade. Mais il a fallu que ça prenne de 15 millions de dollars pour battre. Ils n'ont jamais prouvé. S'il vous plaît, je vais chuter, madame. Donc, ceux qui ont 400 partis politiques au Bazan, Union Sacrilège, chaque parti a 200 personnes, ils ont tourné sa stade. Pour le stade, il y a 80 000 places assises. Mais tu as là, à 14h, les mercenaires sont au Bazan, ils sont au Bazan, stade. Augustin Kabouya, il y a un stade, il y a un stade qui est adressé à stade vide, évidé. Même si le Bazan, il y a une déception. Et je vous révèle que Félix, c'est qu'il devait être au stade, pour qu'il y ait un stade. Félix, c'est que la Zakina qui sent tant que Moukouba n'a stade.
Et Félix Tshisekedi avait prévu de faire une surprise aux militaires. Il n'avait pas annoncé. Lui ne sait pas parce qu'il a passé par la réunion à l'Union Sakété. Mais il y a un peuple. Même les combattants, ils ont même la même information. Félix Tshisekedi a longé qui sent tout à un stade de martyrs. Mboso l'a appelé pour dire que le président ne venait plus. Mboso a bien dit Félix a vu qu'il y a un stade de martyrs. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi Félix Tshisekedi a commencé un stade de martyrs. Comment Bisson a 2011, dans le même stade de martyrs, Ngai Nazaki, cofondateur, il y a dynamique Tshisekedi du président, DTP en 2011. Il y a un constant, Steve Mikai et tout ça. Le professeur Mampouya, tout ça, il y a un meeting où Martin Fayulu. Il y a un meeting en 2011. Plein à Kosakanate. Quand il y a 10h, le militaire est à 19h. J'ai sorti avec une photo. Oh, bakangi na France, on a pris ma kamba bitumba na nini. Roger Lumbala. Toko bimana ingele foot na Roger Lumbala na 18h na stade. Stade là toujours plein na ba militant. Comment expliquer que Mbalo yoboye ba militant ba na 9h. Mais na 14h stade ya vide. Même ba kota na stade, caméra kota na stade ako pesa mbote bwida le vide. Ba tu bazai suite pourquoi? Ce sont pas des militants de Bayaki, ce sont des mercenaires. Parce qu'il y a des personnes plus des militants. Donc, j'ai fini en disant que nous, pour vous montrer qu'un politicien a besoin toujours d'adhésion, de montrer qu'il est toujours populaire. Donc, ce n'est pas une invention congolaise partout aux États-Unis, ailleurs, parce que la démocratie que nous avons au Congo, c'est un prêt-à-porter amené de l'Occident. Donc, c'est lui qui a dit que non, l'opposition, ce n'est pas la rue. Non, l'opposition, les combats politiques, c'est la rue d'abord. Les idées, on les a. Vous savez quoi? Encore une fois, je vous ai dit, c'est lui qui a parlé de ça, c'est un fiscaliste, moi je suis politologue. Un parti politique est un moyen par rapport à un projet. C'est-à-dire que vous avez des idées, et pour mettre ces idées au service de votre peuple, vous créez un parti comme étant un cadre où vous développez ces idées, et pour que c'est le parti vous aide à les appliquer. Maintenant, si vous n'avez pas une adhésion, vous n'avez pas de membres, si vous ne montrez pas les idées de votre parti sur le terrain, comment vous allez avoir l'adhésion au fait d'avoir le pouvoir et ensuite appliquer votre projet? Donc, il y a un problème de concept, ce n'est pas grave. Mais alors, ici, je chute. Je suis Nasuka. Oui. Nasuki Nasuka, voilà, toujours dans les cadres, Donc, je n'ai pas porte ouverte, Zaki, tout simplement du tourisme électoral que vous avez fait, vous, les journalistes. Donc, nous ne pouvons pas nous prêter à un jeu comme ça. Alors que l'Ogotolobi est simple. Bissot, Togoyan est expert. Seignan est expert, Naye. Et celui-ci, celui-là, n'est pas expert, il n'y a pas d'expert. Nous allons choisir aussi des experts, des maisons, il y a une expertise d'élection pour un total affiché. Il y a un rôle, dans le conditionning. Au moment où on a Katanga, le Katanga a perdu des députés. Explication assez nulle, Danine. Le Katanga va perdre des députés parce que. Et PPRD a benga qui était, va s'enrôler. Mais maman, ça c'est une fausse raison. Vous savez très bien que les gens qui sont partis pour un cadre d'électeur ne sont pas partis d'abord pour voter. Parce que vous avez un cadre d'électeur parce que vous avez été soit policier qui a un cadre d'électeur. Ce qui est maman, vous voyagez, vous avez un cadre d'électeur. 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 Donc, c'est pour cette raison-là que les Congolais sont allés prendre le cadre d'électeur. Donc, même ceux qui ont FCC, le baguette, ils ne sont pas enrôlés. Ils ne sont pas enrôlés dans le FCC. Ils ne sont pas enrôlés dans le cadre d'électeur. Pour avoir des hommes qui ont été fondés. Deuxièmement, si vous n'avez pas de Kassai, maman, vous allez à Kassai, ça a été commis 55 dollars. Bana Kassai basi bakimi baone so bana Katanga. Bazana Bandundu. Na ba province mususu. Kassai kota mujima kuna bazu plus de 1 million d'électeurs mususu. Ba baxe bango électeurs. Normalement Katanga il fallait qu'azana ba électeurs belé pour bana Kassai. J'étais à Lubumbashi dernièrement il y a 2 mois. Tant on a qu'une université il y a Lubumbashi na Inilu. Et quelqu'un qui est de Kassai me dit que prince ici ba Kassaien c'est toute la majorité na ville à Lubumbashi. C'est-à-dire que Bana Kassai, tout va dans le Lubumbashi. Lubumbashi, il fallait qu'il y ait un bac qui s'en va siège. Un bac qui s'en va électeur, va maintenant le Lubumbashi. Pour Bana Kassai, il faut que Bassaroué dans Katanga, Katanga, il faut que Bassaroué dans l'électeur. Mais Katanga, il faut que perde l'électeur. Pourquoi? Ce sont des questions qu'il faut que tout n'a et Kadima. Mais tout ça, ils ne veulent pas nous donner des explications claires. Et merci, pour nous, c'est seconde. Non, merci beaucoup, je vous reviens. Je vous reviens, moi, l'amour. Annie seconde. Olekisi, Annie seconde. Aïe, psy, loi,
projet wana et koti na kati ya ya ezana kati ya commission PAJ. Commission PAJ, tout ça la confiance dans ba député wana travaille pour na peuple. Je pose une simple question. Elle peut paraître bête, hein. Tant que Félix Tshisekedi a eu une décision à violer la constitution en changeant la majorité. Raison à Isaac. Félix a lobby Nazara na confiance dans ba député wana te. Il faut changer la majorité. Ceux qui ont le droit à cause de la confiance à député on a tabu à député on a bazama longate. Donc nous, on n'a pas le droit de dire que non, ces députés-là n'ont pas confiance à eux. Pourquoi Félix Tshisekedi peut changer la majorité à l'obi majorité à Kabila Néa Lokuta, il faut na bande la yango. A organiser l'élection en dengue naïe, à Salima Kabila dengue naïe, à violer toutes les lois du pays, parce qu'on ne peut pas changer de majorité à coup d'un même mandat. Parce que ceux qui députés à cause de la parlement, le coup de la parlement, à l'obi tenga nazana faillu, le nazan moutou à la mouka. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la constitution dit. On ne peut pas comprendre que Moutou Azaki peut perdre à combien Moutou a union sacrée. Moutou Azaki fait ça comme Moutou a union sacrée. Très bien. Non. Merci. Et comment il, lui il dit que non, il n'a pas confiance aux députés à changer la majorité. Et puis tout à l'heure, que non, loi on a repassé le siège et combien pas de députés, ce n'est pas dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Mme Mboka. On ne peut pas se contredire autant. Beaucoup, ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup, M. Prince Epengé, Mme Mboka, Eli Beni, Tozo Koba, Namanaka Nabiso Yapo, na Congo ya Lelo, opposition, Azako Akize, instauration et dictature, Tozo assisté à l'arrestation, Mingi Mingi Mikolo Oyo, récemment conseiller spécial, il y a Moïse Katumbi, Azoma qui est à l'aéroport, Kino Sikoyo, selon source. Et selon Maloba, il y a Patrick Mouya a zoami pour la question de la sécurité nationale. Et Bakangi, Bamemi, et puis Bavoka, n'a même blot Bassala qui Bimakina, silence pour la Koloba qui va péquisser Bamou même Bamounae. Mais qu'est-ce qui se passe? Le loyo siège, il y a ici comme Laurent Désiré Kabila, Fondation Ezali, bah, et Biko vandalisé Ango. Hier, Ensemble pour la République, siège dans le Lubumbashi, vandalisé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a instauration à dictature à quelques mois des élections? Madame, vous avez étouffé l'opposition. J'espère que vous allez me donner le temps. Même je temps d'antenne. Vous n'êtes pas impartial dans la répartition du temps. Bien sûr. Vous donnez plus de temps à Epengé et vous me donnez moins de temps. J'espère que vous allez me donner. Non, je rappelle déjà à l'ordre quand même par rapport à cet état de choses. Il faut que la répartition du temps soit équitable. Ça, c'est très important. Vous posez des questions, mais donnez-moi aussi le temps. Il a fait plus de 15 minutes, il y a parole. Mais j'ai compté, quand j'ai pris parole, ça fait deux fois qu'il parle à plus de 15 minutes. Depuis Félix Azana a tiré le canal TNCT. Épingé, au lobby. Non, ça faisait le canal TNCT. J'ai la parole. Madame, avant d'avoir commencé la question de la dictature, permettez-moi d'éclairer dans l'opinion sur un certain nombre de choses. Nayoki, Oyoki, Ndekwe Pengé, sur la répartition et la porte ouverte, il y a moi expliqué l'étape Nyonso. Parce qu'il vous a dit que, yo, Madame Naomi, parce qu'il était sur Aïba et Kokenegi dans CENI, on posait ma question. Quand vous êtes arrivé là-bas, après, vous avez eu un entretien avec lui, c'est que non, ça n'a pas été comme ça et tout ça, tout ça. Donc, lui-même a expliqué que quand il m'a télémi, il a expliqué que ça veut dire qu'il y a quand même suffisamment de temps où quelqu'un pose des questions. Et puis, la porte ouverte n'était pas pour les journalistes. Les acteurs politiques y étaient invités aussi. Ça, il faut dire, parce que au moins, nous tuions mon corps, ça veut dire tout simplement que le peuple a comprendre que déjà l'opposition, parce que démarche dans Bango, madame, ils allaient obtenir dialogue. Je peux comprendre qu'un acteur politique majeur dans un pays ou dans un cycle, il faut ça la tout poids à l'adhésion populaire. Pour à transmettre au Yazanango, na ba imboka au Baholanda idéologie, to pensée politique naé. Ça, on comprend. Mais ce qu'on ne sait pas comprendre, c'est que on ne peut pas faire des choses pour justement ne rien respecter dans un pays. Vous allez comprendre. Et pour créer la confrontation et improviser, se victimiser et chercher à démonter
l'image du chef de l'État au sein d'une nation. Objectif na bango yango wana. Parce que bango ba na besoin ba sala bilo weza ke non peuple a landa bango ayo ka bango mawa et puis ba chaîne de télévision za na projection sur eux que les chanceliers occidentaux qui a bino Martin Fayulu za na États-Unis ba o msu za na réunion na ba ambassadeur. Mais non, c'est le peuple congolais qui donne le pouvoir. La légitimation vient du peuple et non des ambassades. Là, qui s'appelle que, épingle, je veux quelque chose, votez-moi. Si vous me votez, voilà, c'est on a encore ça la ponabino. Mais ils n'ont aucun programme, ils n'ont aucun projet. Il n'y a qu'à voir le fait que Basangani Matata, patron à Fayulu, Afinga Alba Muzito et Matata que. Il a fait l'escroquerie du siècle avec les Bukangalos. Abe Afinga Kabila démon. C'est lui que lui il a servi quand il était à l'Ecofine, à l'hôtel de ville, pour la trahir l'opposition. Il traite, comment il s'appelle, Steve Mbikai, d'inconstant, alors que le plus grand inconstant dans la scène politique congolaise, c'est Fayulu. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu une blanchisserie. Aujourd'hui, Fayulu ne représente rien. Parce que Batonio Sobazo, Yaoya Finga, Kao, Bataka, ils sont ensemble aujourd'hui. Il n'a plus rien à donner. Il n'a rien à donner. Madame, Batiki Matata, à sa conférence, c'est pourquoi il faut Batiki Matata, à sa conférence, tout le monde a niveau baza. Matata, à sa conférence, c'était 22 personnes dans la salle. Mais si vous avez besoin de Pekisabango, vous avez besoin de Pekisabango, vous avez besoin de virus et Zangatina. 22 personnes, madame. Il te parle de la sit-in. Sit-in, vous avez combien? Les journalistes, vous avez combien? Donc, vous avez une capacité à mobiliser. Il y a un leader, il a confiance à peuple, la façon à mobiliser partout. Il ne représente rien. Et là, on a créé diversion pour obtenir dialogue. Va créer confrontation, va ça la forcing. Tu as vu qu'on a demandé à Katumbi par le gouverneur, venez dans 3 jours ou 48 heures ou 3 jours. Mais ça, le forcing, il s'est amené avec les caméras pour être projeté. Non, ils ont empêché, peuple a eu qu'il est mawa, aza sous le projeté, la chancellerie, la banane et tout ça. Il ne représente rien. Par exemple, on va marcher pour rester le côté. Madame, Ndeko Epenge. Dans sa bouche, il sort des choses, et je comprends que lui-même ne comprend pas tellement. Il dit le contentieux électoral, c'est un contentieux de vérité. Mais Epenge, il vous dit que Fayulu a obtenu plus de 60% aux élections, il appelle président élu, celui que moi j'appelle président de nuit. Madame, j'ai la chance, na Platon, na yo, et Rosala Moko, et avocat, et Félix Tshisekedi, dans le contentieux électoral en 2018. C'est que Epenge n'était pas, il n'était pas même dans la salle, il était en dehors de la salle. Parce que le peuple congolais a retenu que Epenge a eu ici du saut, contentieux électoral, contentieux de vérité. Peuple congolais. Ertwa Babasengi Fayulu, aya na ba preuve zo la ksake, a zo ki 58%. Fayulu a dit, oyo ki lelo ya lobby 62%, plus de 60%. Fayulu lui-même, lorsqu'on était au contentieux électoral, a lobaki ke a zo ki 58%. C'est quoi le dit Fayulu Azoaki 62%, madame. Alors, on demande à Fayulu, un à la preuve, Oyo Ezola Kisake, a obtenu 58%, tout plus de 60% Oyo Azoloba, tout 62% Oyo, c'est quoi le baki? Baloba en a droit, la charge de la preuve appartient à celui qui allègue une chose. Comme on dit en latin, actori probatio incombit. Mais Epenga Vandiawa, parce que Azobenga Martin Fayulu, le président élu, je ne sais pas, il a été élu où. Abi Félix Tshisekedi, il a 15%. Ma preuve est mon anate. Madame, je t'ai dit que, peuple congolais, Zolandanga, moi j'ai la chance, d'être un des avocats du collectif. Faux. Il y a Félix Tshisekedi, en 2018, j'étais là. Faux. Les images sont là. Faux. Et monde entier, Yébi, j'étais là. Faux. Maintenant, et pengo avant d'aller bi sabiso, hein? Parce que tout le monde va avoir la preuve, tout le monde a preuve à ta moto là ici, il a fallu le 58%,
62 églises catholiques, balobaki azwaki. Mais j'ai également la chance, en creusant et à redécouvrir les catholiques ou à consacrer le peuple congolais, Mobimbake, il y a 40 000 observateurs d'accréditation. Mais catholiques, il y a 25 183, je l'ai dit sur le compteur de Malonda, qui me suit de quelque part, invité à Oyawa Ebisayo. 25 183 accrédités. Est-ce que ça pouvait couvrir la RDC? Non. Alors, vous dites que ça un peuple congolais, mon cher ami. Ne faut pas venir jouer avec le peuple. Fayoul n'a jamais été élu dans ce pays. Nalanda Chantal Mobon, il appelle sur TV contre Amissi Makutano, que je salue en passant, PCA et à OGFRAM. Mobon, il dit que Fayoul avait gagné les élections parce qu'il avait gagné à Kinshasa. Dans l'aventure, madame. Est-ce que Kinshasa, c'est la RDC? Ils ont semblé oublier que partout à Kinshasa où Fayoul était premier, Tshisekedi était deuxième dans le centre. Si Tshisekedi était premier dans le centre, Fayoul était deuxième. Mais comment est-ce que vous voulez jouer avec tout un peuple pour dire non, Fayoul avait gagné les élections? Fayoul a gagné les élections. De toute façon, on a la dictature, moi, dans Boka. Madame, c'est très important qu'on précise Babilo Kouana, madame. Très bien, oui. Vous en comprenez? Parce que Epengue nous raconte sa vie ici. Félix n'a jamais obtenu 15%. Fayoul, Félix a mérité son siège là où il est. Parce qu'il a la légitimation populaire. Il est adulé, accepté par le peuple. Mais Fayoul a démontré son inconstance. Oyazotama Steve Mbika, il est plus constant que Fayoulou. Ah, il s'agit de son constance à Mbika et Zanivoni. Parce que Fayoulou a le bac qui n'a beaucoup ok. Félix, yo, et Bongito Zala Kabila. Félix a Kabon et Kabila. Oh là, Kozala Kagame était. Félix a Kabon et Kagame. Mais ils sont restés figés, ils sont restés statiques. Ils n'évoluent pas. Mais aujourd'hui, Félix est en train d'évoluer. Tu peux me dire qui est ce Congolais aujourd'hui? À Kobo, il y a un président, il y a tellement le monde pour le Congo, c'est lui qui réunit l'unanimité. Il y a fait en sorte que le Congo est dans la fierté. Mundele la France 24 a lobby. Non, 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 moi, Moubali, je te dis bien les termes de la presse internationale, France 24, TV5, toute la presse occidentale. Cet homme qui remplace Kabila en 2018, aujourd'hui vient d'obtenir quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que Fayoul Rosa Mgoni? Lorsqu'il dit que non, Félix peut aller là-bas à Sengi, vous dirigez quoi? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Non, mais Epengue, dites-nous, vous dirigez quel pays? La Papouasie? Félix a obtenu. Ou la RDC de la nuit? Non, non, madame Tikangana Loba. Epengue, Loba, qui il a obtenu quoi? Tikana recadré. Il a obtenu quoi? Vous dirigez quel pays? Félix a obtenu quoi? Le pays de la nuit? Non, j'ai dit. La RDC de la nuit ou du jour? Félix a obtenu quoi? Papa, merci beaucoup. S'il vous plaît, je vais maintenant, je toque. Madame, j'espère que Ndena Sengaki, à l'oba qui mingi, tika na pena l'oba. Madame, ça fait 12 minutes. Contrat chinois, au ba partenaire na la Kabylie, ba signaki, oyo, ezako yi ba peuple congolais. 32-68. Oh, bah, chinois, bah, y a quitté un fonds d'investissement, ils allaient qu'attater. Moi, ou des familles, ah, on a ma banque congolaise. La RDC n'a pas bénéficié de quelque chose. Mais, Félix, il est là, accueilli, contre les acquis entre ma privé, na banane, et commis entre l'État chinois, Félix a obtenu, et ça recadré de 70 à 30%. En faveur de la RDC, 70% RDC, 30% la Chine. C'est déjà fait? Mais c'est déjà fait, madame, parce qu'ils ont déjà signé. Si la presse internationale, bah, conclusion, bino, vous en arrêtez, madame, pour être dans le monde. Ou en Mbougani, maman, Naomi. Félix Aoutoukouna. Il a obtenu 214 millions pour la relance Yasnel. 214 millions d'euros pour la relance la turbine Yasnel. Et c'est pour vous dire que lorsque les gens comme les Pengue passent à Rolekate, Top Congo, Gagni, à l'équipe Anabino, à Kosilokuta, non, ces gens n'ont pas de discours. Ces gens n'ont pas de messages. Nazo, il y a une question à la dictature. Je réponds maintenant à ta question. En 2 minutes, moi, Lamboka. Madame, tu vois que quand il s'agit de moi, vous êtes pressé. Vous voyez la injustice à vous. Ce bandota à la loupe, et du second à Congo, à Patoya. Tout le monde est content, vous avez beaucoup parlé. Alors, pour la dictature. Mais madame, je crois que Félix Tshisekedi est tout sauf un dictateur. Pourquoi? Je crois que Mboka Nyonso tambola na Mobeko.
leader y a zotan la démocratie. Même si lelo leader na e, tomoko ba leader na wazo landa sima. Aza président de la République, va-t-il respecter la loi ou il va faire en sorte que baza likolo mibeko? Lorsque balobi que ba bon, besoin de ça, manifestation. L'article 26, c'est garanti, liberté de manifestation et tout ça. Mais il y a la loi, il y a le décret loi 196 portant réglementation des manifestations publiques et réunions publiques. Où est-ce qu'on régule justement comment ces choses doivent se faire, les rôles que devront jouer les organisateurs de manifestations, les mandataires, et les rôles des autorités publiques. Madame Balobi, il y a une déclaration préalable. Et puis il y a une réunion qui s'ensuit entre l'autorité et les organisateurs. Ah, mais ça, c'est pas coûté à l'angobilatoté. A contredit, mais ça, c'est pas coûté à l'angobilaté. Ah, mais ça, c'est ceux qui basaient un itinéraire au bâtiment qui toté. Bah, mais ça, c'est ceux qui ont mobilisé pour poser un itinéraire moussusté. Parce que malheureusement, non, il n'y a aucune loi, c'est la dictature et tout ça. Mais cette loi, ce décret loi, madame, régule la situation parce que l'article 7, il nous dit clairement que les organisateurs font la déclaration sur les lieux, la date et les itinéraires. Mais l'autorité peut modifier l'itinéraire ou les itinéraires. Au-delà de ça, il y a aussi... Est-ce que vous comprenez? L'arrestation, ils allaient vous savoir... Attendez, madame, je suis en train de vous rencontrer. Je suis en train de répondre à votre question. Je sais que vous avez besoin de me relancer, mais permettez-moi de vous répondre. J'ai encore la bonne mémoire. Donc, c'est pour vous dire que Félix... Il n'est pas dictateur. Bango objectif na bango ali ko créer confrontation. Donc ne rien respecter, se victimiser, créer la confrontation. Parce que objectif est ali à l'élection té. Tout na bango mkoni ba temba condamné mambwa est. Tout na bango parce qu'ils font la diversion. Na minute yo ba bango na Congo bazo s'organiser pour ba attaquer Goma pour ba mona moyen ko exiger Félix à négocier na bango. Ils veulent créer des guerres par-ci par-là à travers les pays. Il y a les Mobondo, Oyoto, qui a été à la porte à Kinshasa. Et lorsque l'autorité est informée de toutes ces choses, vous avez appris qu'on a arrêté les gens ici dans Ozone, dans Mbinza, 55 jeunes, ministres, qui sont à Kinshasa. Donc c'est pour vous dire que la personne mieux placée, où il répond, Mokola Bango, elle a dit, Franck Dion va répondre, on peut tout dire parce que Félix n'est pas dictateur. Toko critiquer gestion aïe, mais dire qu'il est dictateur, dire que la démocratie est menacée, c'est faux parce que, madame, aujourd'hui là, Fayulu Amatara Kitaka, Afinga Kassala Ramnen, on a fait. Merci beaucoup, et puis, madame. Et je m'en vais terminer par là. Je m'en vais terminer, madame, pour vous dire que Félix n'a pas, il n'est pas dictateur. Dieu m'a précisé, il m'a très bien, parce que Katoum Yazaïdi Banana Batunae, c'est Félix qui a fait que Bazonga. Vous allez comprendre. Et Yemoro Diongo a le bien clairement que Yemoro Zana prison arrêté par Kabila, partenaire y a Fayulu, mais Babimi Saki. Et pour terminer, l'interpellation n'est pas à confondre. Attendez, l'interpellation n'est pas à confondre avec l'arrestation. Vous allez comprendre. Pour des raisons de sécurité, lorsqu'on a une information sur une personne qui, sachant qu'Aza civil, il est porteur des armes à feu, vous allez comprendre. Bah moi, nous n'avons pas de il faut pas l'oukabayeba, Azanine. On ne sait pas jusqu'ici ce qui peut être reproché réellement dans Salomon Kalonda. Moi, je n'ai pas de problème avec Kalonda. Mais il ne faut pas empêcher le pays ou la justice d'un pays ou les services d'un pays de faire des choses très normalement. Bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de dictature. Merci beaucoup, Mwanamboka. Tout soit rapidement, deux minutes à chacun pour Nako. Le BRK, le Kambeta, le prolongement, il y a EAC, Oyebongo, Bako Kendara, Kino, le 8 septembre prochain, ils allaient, Moko, il y a la résolution, ils ont maquillé na Bujumbura Lobby, dans la réunion mondiale, ils allaient maquiller Mwanamboka, Prince et Pengue, chef de l'État, Ebaki, ko critiquer Makasi, Moussala, Oyo, EAC, mais tout moni ba qui se dit bango tango le loto ba que et assez moussa nango échoué penza et la qui erreur tout peto zélande sadek n'est qu'au ya boyende comme mais la biso solution assurant ses années n'a qu'à maman les guides ali moto à l'axa kanzela et le bac au fiolo mide moto à l'axa kanzela bazaka toujours si manaï mais à condition que moto en bas collègue sanzela à la veille l'été. Félix, depuis le début, il y a un mandat qui m'a dit qu'il s'est trompé dans Nyos.
tango mese chilombo akeko zwa Paul Kagame ba komi copain copain bras dessus bras dessous matin fala lobi na Félix Tshisekedi kende ko tanga histoire ya Congo. Kagame azali konyoko la peuple na biso depuis 30 ans. Kagame ne peut pas être votre ami. Alors bio matin fala azali jaloux azali tribaliste azali aîné atikangana Kagame atika bulingo ngai na Kagame soki tunakuzika nazika lelo azikite. Oh. On lui a dit Félix Tshisekedi arrêtez l'amitié. Félix Tshisekedi aké na Rwanda. Alobio guerre à est, c'est-à-dire guerre entre les Congolais, les Rwandais. Félix a dit ça au Rwanda, devant les Rwandais. Félix est allé au Rwanda 2019, alobi que batu a okufa na est, c'est-à-dire à cause des dégâts collatéraux. C'est-à-dire que les Rwandais bako buma bangote. Alors que maman, vous le savez que na 1998 na territoire Kasika. Na no kivu kuna armée rwandaise tango yokote na RCD ya Buberwa. Bah, on a massacré les Congolais, bah, on a même égorgé les prêtres catholiques et congolais, bah, égorgé bah, on a armée rwandaise. Mais Félix Alobi, non, ils allaient tout bas entre les Congolais. Et Fayulu lui a dit, ton amitié avec Kagame est dangereuse. Félix a eu kate. Tant que vous signez un accord avec Kagame, ah, boy. Y compris que Kagame était police rwandaise et y a constaté la sécurité à Villa Goma en 2021. Bana goma babimana nzela matin fala loba non photo tel melango bana goma babimana nzela police na biso babuma 4 congolais na goma 4 jeunes congolais ba kufa pona goloba Félix Tshisekedi nous refusons l'entrée des police de la police rwandaise à Goma contrat ya ba mineur mususu kuna notamment coltan o ifo ke na Rwanda ba ke nous transformer ngokuna. Félix est même allé solliciter génie armée rwandaise et retourner dans le village, dans le cannabis, dans le Kivu. Aéroport, il y a Goma, comme qui principal terminal et rwandais. Pour la première fois dans l'histoire du Congo, avion Air rwandais, compagnie aviation Rwanda, il y a Rwanda, il y a Okita na Kinshasa, na Lubumbashi, na Goma, chaque jour. Tout le monde a fait ce que dit. Le commerce est nous entre Kigali et Kinshasa. Il y a avion chaque jour. Tant que l'ambassadeur Vesa Karega, awa, à Longo en Afrique du Sud, Vesa Karega, comme l'ambassadeur, awa, Azaka ambassadeur en Afrique du Sud, Abomo Bopoza Rwandais en Afrique du Sud, Aye awa, général congolais, awa, comme l'a fait Mukanda, quand il ambassadeur au Rwanda, awa, Abomo Bopoza, Azali dangereux. Il faut tourner vers Sadek. S'il vous plaît, avant de commencer, Félix a eu kate. Le loca quand même Félix a onda comme okena monde entier ko lobao ça fait 30 ans okagama bomaka peuple na biso ça fait 30 ans okagama ka exploiter ba richesse na biso mais soko ye bagate ça fait 30 ans o ya bomaka peuple na biso comment obe marketing na stade de Mati ba militaire na aide pas ba yembele ba nzembo comment de roi tapi rouge na Goma pona Paul Kagame ça un homme comme ça ne peut pas être un leader un guide il doit être guidé s'il vous plaît il a beaucoup parlé s'il vous plaît qui me dérange pas. Rapidement, on va donner 2 minutes à la réalisation. C'est pas ça, Johanna. À l'objet qui a obéi de tambolité contre guerre à Est. C'est pas si vous vous masturbez intellectuellement, messieurs. Personne n'a jamais organisé des marches dans Boko Martin Fayulu contre l'agression rwandaise, contre Bilo Kakuna. Au contraire, Bilo devait être pexé, tout au marché. Dites-moi les jours où il dépêche à marcher contre l'agression rwandaise. Au Kabouya, même pas sur cette table. S'il vous plaît, messieurs, arrêtez. Renouvellement mandat à EAC. Mais maman, ce n'est pas Félix Ndaye Psyso que non. EAC cohabite avec l'armée à EAC cohabite avec les M23. Ce n'est pas Félix qui est allé dire au gars na Moroni Kuna, en Afrique du Sud, au Sénégal, en France, aux États-Unis, que le mité de l'EAC sont complices de M23, na yakina bango, na kansa ke te ba mando offensif, bango ba yoko ta M23. Comment expliquer que na sommet à Bujumbura y a les 30 mai, le même Félix Tshisekedi a accepté de prolonger le mandat ya M23, et plutôt ya EAC, ba se bango ango 3 mois. Entre temps, on pille nos richesses, on tue nos frères, et nos enfants ne vont pas à l'école. Bounaga n'a tino le lot. Bouturu, c'est armé à Ouganda des au contrôle des impôts. C'est une contradiction. Et je chute par le dernier élément. Contrat chinois. Madame, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous jouez les jeux de l'Union sacrée sur ce plateau. Excusez-moi. Je vous connais neutre, mais là, vous m'avez déçu. Il vous dit que Félix Tshisekedi a changé le contrat chinois. Que le Congo a obtenu 70%. Vous savez que c'est faux. Oh.
Vous le savez bien, et vous l'avez dit, mais il continue, parce que vous savez, nous, nous sommes acteurs politiques. Elle m'a dit quoi? C'est ce qu'on appelle la formation de l'opinion. L'opinion publique, c'est quoi? C'est l'ensemble des jugements que le peuple s'est fait de la manière dont il est gouverné, c'est basé à Ouzoukoloba. Mais quand il vient dire des faussetés ici, Félix Tshisekedi est allé en Chine, génériquement, il a dit qu'il a modifié le contrat chinois. Mais rien n'a été modifié. Il a annoncé ici que non, Chine a commandé 30%. Vous êtes 70%. Mais il n'a jamais été le cas. Et il est rentré faire des routes dans Yangwana. Mais aucun document, aucun média ne vous a dit que ce contrat-là a été changé. Non, s'il vous plaît. Au contraire, Félix Azunka a gagné $1 million. $1 million, s'il vous plaît. $1 million pour nous aider, pour nous aider humanitaire. À part ça, il n'y a rien. Au contraire, à qui que contre la bitumba entre États-Unis et la Chine. Alors, le Congo. Tient à la souveraineté de la Chine, les Taïwan appartiennent à la Chine, alors qu'il sait que l'Amérique, l'Angleterre et la Chine sont en conflit statut à Taïwan. Mais à quel temps de Gouana, la conception de la Bouzou, on a besoin de éviter. Et dans ce qui n'a pas eu à l'Oba, qui s'ouvre pour la faillite. Je regarde pour la faillite. Madame, votre mot de la fin. Non, je ne vais pas se jouer là parce que moi, je sais jouer très bien. Votre mot de la fin. Il est assez prolongé, mandat Nayango, alors que Tozos est là, Sadek Okoya, d'ici mi-juin, Nini Pinda, pour ça, la pour la pacification. Madame, je vous prie d'avoir vraiment de l'autorité parce que nous venons. Quel que soit notre taille, ne soyez pas intimidés. Non, vous perdez vos ministres. Ne soyez pas intimidés. Pourquoi vous faites ça? L'émission prend fin et vous donnez tous les testimonies. L'émission continue, papa. L'émission continue, c'est un mot de la fin. Tout le monde a pas un mot de la fin. Madame, ne la faites pas peur. Vous comprenez que Peigne, Fayoulou et consorts, ils sont restés figés dans l'histoire parce qu'ils évoluaient. Tolobi Angwawa, Félix ne se sépare de Kabila. Félix ne se sépare de Kagame. C'est Félix annule tous les accords et contrats signés avec le Rwanda. Il est en train de vous réciter cela. Aujourd'hui, Félix s'est dressé en opposant Farouche de Kagame et de tous ceux qui sont derrière lui. Ils sont toujours figés. Ils ont évolué dans l'histoire. Je m'arrête par là par rapport à ça. Mais à l'objet, le Romoko, on a dit que et le cas. À l'objet, que l'Union sacrée. À 15 millions en compte. Il faut qu'ils sachent que l'Union Sacrée, c'est un fait privé. Oyo, ils ont des sociétaires, ils ont s'organiser, ils ont des collectes, ils ont des cotisations, ils ont des manifestations. Ce n'est pas comme eux, sous la Kabylie, où partout on a des confines, ils ont des entreprises, des sociétés à l'État, pour qu'ils aient des. L'Union Sacrée, c'est un fait privé qui s'est organisé. Personnellement, dans Ndenge na Bango, Mutula Mutachi Libenga na Mombongo et Bimi pour Anini. Et puis, Albi Kemboso a appelé Félix. Mais c'est un mensonge criant. Vous comprenez qu'ils viennent aux médias pour faire le théâtre. Parce que moi, j'étais au stade depuis 7h du matin. Les stades étaient archi comble. Dans l'enceinte des stades, archi comble. Dans le palais du peuple, dans le triomphal, plein à craquer. Et lui va venir nous raconter sa vie ici par rapport à Bisson Mtozagan depuis 7 ans. J'ai des images ici où les salles étaient plein. Pourquoi 14 heures? Et alors, non, vous manquez quoi dire? Pourquoi 14 heures salles étaient vides? Problème Nabino, comme vous êtes une opposition faible. Pourquoi 14 heures dans le programme, dans la vision, Moussa Nabino a dit quoi que Luka, moi pour s'accrocher dans le et puis pour nous dans le commerce. Mandat ISC, madame, le chef de l'État a été clair. A l'objet que. La RDC n'est pas content de l'attitude des partenaires de l'EAC. Vous vous comprenez? Alors, ils ont clairement qu'ils vont revoir cette situation. Ceux qui vont s'amendetter, on va se séparer amiable. Mais s'il a plu à la RDC, peut-être d'accepter ces reports de 3 mois pour la Robakissa, je crois que le gouvernement doit avoir des motifs suffisants pour Nayango. Nous faisons confiance à notre gouvernement parce que jusqu'ici, le gouvernement n'a pas encore donné les motifs suffisants, les ceux pourquoi ce report. Moi, je me réserve de commenter cela et je fais confiance au gouvernement de mon pays. Je ne suis pas comme les épingles et consorts. Oh, ils ont pensé qu'il ne faut pas se dresser dans Zéla, Babo, Mabatou, Batou, Batou, Fa, Bazoka. Moukolo, Babo, Tambola, Kiawa, Atanga, Ono, Batouni, Bazoka, qui est dans la gare centrale. Mais lorsque la presse a donné les bilans, lorsque les médias ont donné les bilans, on a dit que. Il y avait 0 blessé dans les camps de l'opposition et 4 blessés dans les rangs de la police. Sur terrain, qu'est-ce qui va se passer? Ça dit que Roya et Bakissina et Yassina 4, comment ça va se passer? Non, c'est comme ça que je vous dis, madame. Moi, je suis un intellectuel averti. Le gouvernement a
c'est son porte-parole, Oya Yebani, il faut appeler sa position sur la réalité de ce pourquoi cette situation a été faite ainsi. Donc, Sadek n'a pas comité. Les reports, ouais, c'est mieux, là, bah, il y a 3 mois. Alors, c'est la position du gouvernement. Je ne vais pas mettre la charrue devant le bœuf pour aller communiquer à la place du gouvernement, alors que le gouvernement a ses canaux privilégiés. Oyo, Bazana Ndingisa Kopé, sa position officielle au gouvernement. Votre mot de la fin, on finit. Le mot de la fin, madame, c'est pour vous dire que nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer notre pays. L'article 5 de la Constitution est organisé l'opposition et non la résistance. C'est lui qui est en résistance à Zana Katia opposition. Je demanderai à mon frère Epeng qui fait un travail énorme pour la Kobunda, pour la Mboka, mais faisons cela, tout ça, on a bien. Il ne faut pas jouer les jeux de l'ennemi. Pour la Koluka Keno, tout ramener toujours Mboka en abissant en retard. Le loyo, au Mambo Félix, à Zosala, Kassabou, à Salaki Angote, Mobutu, à Salaki Angote, Kabila Mouza Salaka Mote, Kabila Fils Salaka Mote, mais ce que fait Félix aujourd'hui est extraordinaire. Mondele Moko et Azot en place, Azot que nous avons le pouvoir dans le bureau, Manini, Azot reconnaître Yango. Et là, on a oublié, vous savez, aussi, c'est ça que non, Boto Kanabino bien, mais Félix, deuxième mandat. Merci, monsieur Pengue, votre mot de la fin. Non, juste que l'Obana est que Senko, à l'Obana est que Senko est un tribaliste. Senko est un tribaliste. Yo, qui m'a cambogisté, Kabou à l'Obé, et Motonion sera critiqué Félix, ce qu'il dit. Azao critiquer était pour échouer. Tous azao critiquer Félix, c'est ce qui passe à Zamouluba. Ça, ce sont des propos extrêmement graves. Ce n'est pas grave, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, le loyo, Bakangika Londa, qui n'est rien dans ce pays. Mais Moukebaï Azali, député national. Pourquoi il ne défend pas Moukebaï? Pourquoi il ne parle pas de Moukebaï? Aujourd'hui, comme il y a Londa et tout ça, tout ça. Non, tout ça, ben justice, tout ça, tribalisme. Parce qu'ils sont en train d'attiser le tribalisme au pays. Et là, on ne peut pas accepter. Vous savez qu'ils ont enrôlé des mineurs, ils ont enrôlé les Koulouna pour venir semer le chaos dans la rue. Vous voulez donner parole à Bato Boepo, à redistribuer le peuple? Là, nous sommes pas d'accord, madame. C'est la démocratie, mon amour. Quelle démocratie, madame? Nous avons un président d'un parti politique. Si vous avez un militant, vous avez un parti politique. Alors, président d'un parti politique. Non, non, ce n'est pas un président d'un parti politique. Lorsque Epeng doit apprendre à respecter les gens, lorsqu'il faisait le même parti politique, moi, je ne laisse pas les autres parler. Toi, je suis président d'un parti politique. Je suis président d'un parti politique. Senko te bundana Senko na IDPS. Les autres Senko a dénoncé le Kamamabe. Bangobabo Senko est commis tribaliste. Auguste Kabuya a l'obat été trop kabola mindou qui n'a pas milité à IDPS. Voilà, Auguste Kabuya a été. Mais Pengue, Nico Maengele, Alexis Lega et les autres, on nous menace d'arrestation. Je chute en disant à l'obat Azaki avocat, il y a Félix Tshisekedi dans la cour constitutionnelle. Non. Ce cas avocat Félix Tshisekedi, il y a été moko ya ba juge kana tangi ya koné wasenda alobaki ke procès aki contradictoire il faillu la même aki mais c'est vérifiable, il y a des images, monsieur. Mais est-ce que tu peux pas parler? Tu veux mentir au peuple? C'est un militant, c'est vérifiable, c'est vérifiable. Voilà, c'est que j'ai eu l'avoir amené, moi j'ai eu l'avoir amené 26 cartons. Va à la RTNC, c'est la fin de l'émission. Non, non, tu peux pas être. C'est la fin de l'émission. Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est les juges qui avaient refusé. Merci beaucoup, monsieur Pengue. Merci beaucoup, Nabil. On a des bisous partout dans le monde. On se retrouve prochainement pour Nakongo. Tokutan la semaine prochaine. S'il vous plaît.